Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit daily observation dans une zone de travaux. Je sais même pas pourquoi je suis passé là, je vous jure, putain. Là, je peux même pas doubler, c'est un peu galère. Ouais, donc petit daily observation, il est 7h40, on se dirige vers le taf, vers le boulot. Attends, là je vais en profiter pour passer. Nickel. Hop là, on a grillé quelques places. Ouais, donc on dirige vers le boulot. En fait il est vendredi, j'ai l'impression que je tourne toutes mes daily observations des vendredis. C'est vraiment le hasard. Donc voilà, normalement il se fait beau la journée, donc on devrait pouvoir tourner ça sur toute la journée. Et puis voilà. Donc en ce qui concerne les daily observations, ben, c'est pas le premier que vous voyez sur la chaîne, hein, bien évidemment, je crois que c'est le 5e ou un truc comme ça. Mais c'est le premier avec la petite CB500F. La petite CB500F donc. Voilà, on va essayer de reprendre un peu de contenu qualitatif en termes de daily observation. Hop, on referme, mode hyper vitesse. Le dernier daily observation, il s'était déroulé de manière fort matinale également, mais il faisait encore nuit à ce moment là, donc on en profite, vous y voyez un peu mieux maintenant. Donc ça va vraiment être agréable parce que quand tu vas rouler le matin il fait jour, quand tu roules le soir il fait jour. Donc il y a vraiment un contenu de vidéo qui devrait être un peu plus présent. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir comme j'aime bien le dire. Bon, normalement il est censé faire beau déjà quasiment toute la journée, je crois que c'est juste au moment où je vais sortir du boulot. Donc ça va être la deuxième partie du Daily Observation. Et où là ça va être... va falloir serrer les fesses. Il va falloir serrer les fesses parce qu'ils annoncent, c'est juste, tu vois, c'est entre les deux, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de flotte, mais c'est bien gris. Et avec Météo France et leur précision météorologique, laisse tomber. On va serrer les fesses et puis on va prier, quoi. Donc avant d'arriver au taf, il y avait trois chiffres que je voulais vous donner. Déjà c'est 10 000. 10 000 c'est le nombre de merci que je dois faire parce que c'est le nombre de vues qui a atteint la vidéo essai de la CB650R de 2019. A la base je pensais qu'elle ferait moins de vues que la 500 et au fait non, elle a tout explosé, donc un énorme merci parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et ben, sans vous tous et le nombre de personnes qui se sont abonnées, je ne serais pas arrivé jusque là. Autre chiffre important qui concerne YouTube, ça va être 567. C'est tout simplement le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Depuis les 3-4 dernières vidéos, c'est le nombre d'abonnés, il a explosé. Franchement, j'ai dû prendre en 2-3 vidéos, je dirais bien 300 abonnés. Donc franchement, ça me fait énormément plaisir. Ça prouve que le contenu que je crée plaît et est plutôt qualitatif par rapport à ce que vous recherchez sur YouTube. Que ma personnalité vous convient aussi parce que je fais vraiment comme je le sens, je fais les vidéos à ma façon. Je parle à ma façon, je suis pas dans l'excentricité, je suis plutôt cool, tranquille, je fais les vidéos comme j'aime. Et pareil au niveau des montages. Donc ça me fait énormément plaisir que vous soyez abonné à la chaîne. Donc si c'est pas encore fait, bah, n'hésite pas à t'abonner avec le petit bouton rouge qui est en bas. Ça me fait encore une fois énormément plaisir parce que voilà, ça permet d'augmenter un peu la visibilité pardon, de la chaîne sur tout le site YouTube. Donc c'est vraiment top. Merci à tous. One eternity later. Alors ne serait-ce pas une fin de journée, un vendredi soir pour un petit week-end en vue? Ah si. Alors, on est content pour pas grand chose, faut se l'avouer. Mais voilà, petit week-end en vue mais avec un temps de merde, donc on va pas se mentir, on va pas sortir la moto ce week-end à mon avis. Il va falloir être patient et la semaine prochaine il refait beau, donc on en profite juste ce soir. Là, il y a le collègue en ZX9 R qu'on accompagne. Bon là je suis le collègue parce que je suis sur le même trajet pour rentrer chez moi, donc j'allonge un peu et puis je passe aussi par Kawa comme ça. Et puis voilà, donc très joli ZX9R noir mat avec le reste en doré. Ça a de la gueule, on va pas se mentir, ça a de la gueule. Ils surveillent qu'ils perdent pas ces carénages parce qu'il y en a la moitié qui sont démontés et il y en a deux à l'avant qui tiennent plus du tout, ils sont en mode lévitation. Je suis mort. Et, toutes les secondes, il regarde. Bon, tout à l'heure, chers amis, je vous parlais un peu de YouTube et des différents chiffres. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai vu tous les commentaires qu'il y a eu sur les dernières vidéos. Mais vraiment tous, parce que je regarde tout et je réponds à tout. Et à chaque fois, ça a été très positif. Même certains constructifs où vous donnez votre avis concret sur ce qui est amélioré. Et depuis 2-3 vidéos, il n'y a plus vraiment d'avis, on va dire, constructif, dans le sens où vous me dites pas, voilà, faudrait faire ça ou ça. Vous me dites vraiment que ça a été pour vous une très bonne vidéo, que vous avez apprécié tout ça. Donc je vous remercie franchement, parce que ça fait plaisir par rapport au contenu que je vous propose. Ça veut dire que ça plaît, notamment par rapport au nombre d'abonnés que j'ai pris et au nombre de vues de chaque vidéo. Donc rien que pour ça, un grand merci, parce que vos avis m'importent beaucoup. Et faut savoir que je réponds bien évidemment à chaque commentaire que vous postez. Voilà, j'y prends soin. Sachez que dès que vous postez un commentaire, je le vois. Voilà, franchement, je les lis tous et je vous y réponds. Je voulais également vous donner un dernier chiffre. Alors, je vous ai dit 10 000, je vous ai mis plus de 500 pour les abonnés YouTube, mais il y a aussi 600. 600, c'est tout simplement le chiffre, le nombre de followers sur Instagram qu'on a dépassé le week-end dernier. Donc ça fait très plaisir, parce que le contenu que je vous propose sur Instagram, qui est vraiment différent du contenu YouTube, puisque c'est vraiment que des photos, et qui vous propose en avant-première, on va dire, le contenu des prochaines vidéos YouTube, et bien vous êtes nombreux à me suivre, donc ça fait extrêmement plaisir, et les j'aime sur les vidéos le suivent également, donc merci à tous. A few moments later. Maintenant que je viens de repartir de Kawa, je me suis dit putain, faudrait peut-être que je repasse pour leur demander d'essayer un peu quelques motos. Genre les Z400, Ninja 400, Ninja 650, c'est le genre de moto qui me plairait bien. Après la Z650, on l'a vu pas mal, donc voilà, toutes les trois autres là, ça me plairait bien ça. Là, maintenant ça me trotte dans la tête, je vous partage un peu tout ce qui passe par mon esprit. J'avais fait une petite liste un peu de tout ce que je voulais vous dire. Je sais pas si je vais pas oublier quelque chose. Ça me trotte dans la tête. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Putain, j'ai chaud. Un peu d'air. Oh là là, je vois plein de panneaux jaunes, c'est pas bon ça. Faut que je passe par là. Putain, route défoncée mon gars. Alors maintenant que ça m'est revenu, je sais ce que je voulais vous dire aussi. Donc j'ai fait quelques modifs de la moto, deux petites il me semble, ouais, deux petites modifs. Je vous mettrai tout ça sur Insta, tout ça, c'est pour ça qu'il faut me suivre, hein. Mais voilà, deux petites modifs, c'est vraiment pas grand chose, c'est un petit peu esthétique. Et là prochainement je devrais recevoir un colis que j'attends, une livraison de quelque chose qui coûte un poil cher, mais ce n'est pas l'échappement. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez que c'est. Je vous dis rien, je vous donne pas d'indice, sinon ça serait beaucoup trop facile. C'est un petit peu cher, mais ça sera très utile pour la moto. Donc dites-moi ça en commentaire, un gros suspense. Afin de vous faire un petit teasing sur les prochaines vidéos de la chaîne, ne me regarde pas, sur les prochaines vidéos de la chaîne, je sais que des essais ont été demandés dans les commentaires YouTube, notamment chez Honda, des CB500X, de la 500 Rebelle, de la CBR 500 R. C'est vraiment les motos qui ressortent du truc, les commentaires. Donc j'ai répondu à chacun qui avait demandé ses essais. Oui, ce sont des motos qui vont arriver en essai sur la chaîne. On est en train de planifier ça avec la concession Honda à Brive, mais franchement il n'y aurait pas de souci. Avec eux c'est transparent, franchement je demande, ils me passent la moto et puis basta. Donc gros merci à eux encore une fois, parce que je prends le temps de les remercier, c'est pas rien. Donc voilà. Mais c'est des essais qui sont prévus, qui vont arriver, donc je peux pas vous dire dans une semaine, 2 semaines ou autre, j'en sais rien, c'est pas encore tourné, c'est pas encore planifié. Mais ouais, c'est des essais qui vont arriver prochainement. Donc j'espère que ça vous fait plaisir d'entendre ça. Bon, bien chers amis, on va terminer cette vidéo maintenant, hein. Il n'y a plus grand chose à vous dire. C'était un daily observation, voilà, vous m'avez suivi dans ma journée, matin et soir. Et puis voilà quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si c'est pas encore fait, hein, c'est... Voilà, comme je dis, ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne un peu partout sur YouTube Game. Hop là. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à bientôt, c'était Stone, c'était avec grand plaisir. Bisous, bisous, coupez.